Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation leurre. Et comme l'ouverture de la truite arrive, je vous propose une présentation de ce petit leurre de chez ZipBait. Donc, c'est le Ridge S-Line 46 SMDR. Donc, voilà pour la référence, c'est toujours des trucs à rallonge. Donc, il fait 4,6 cm et il pèse 3 grammes. C'est un leurre coulant et il est disponible en 5 coloris, je crois. Pour ma part, j'ai pris le coloris 210. C'est le coloris que je pense était le plus, comment dire, le plus réel, qui imite vraiment un petit veron, un petit alevin. Donc, c'est à utiliser sur la truite, donc sur les perches. Et donc, il est au prix environ de 24 euros. Il est disponible sur le site actionpêche.com. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, au niveau de l'animation, donc ça va être des animations rapides. Vous pouvez faire quelques twitch aussi pour le désaxer, faire des pauses, mais attention, il coule vraiment, vraiment rapidement. Donc, essayez de ne pas aller vous accrocher au fond, ça serait dommage de le perdre. Donc, pour moi, j'espère que ça va être un bon leurre pour l'ouverture de la truite. Je vais essayer ça. Et donc, au niveau des finitions, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment le réalisme du leurre. C'est vraiment des finitions, elles sont vraiment au top, elles sont vraiment parfaites. Ça fait vraiment penser à un petit veron avec les petits yeux là. Vraiment, ça fait vraiment réel. Les hameçons qui ont l'air costauds. À mon avis, c'est même certain, je vais écraser les ardillons parce que pour pêcher la truite, c'est préférable d'écraser les ardillons pour éviter de blesser le poisson et pour le relâcher plus rapidement afin qu'il reparte dans les meilleures conditions. Donc voilà pour ce petit minot de la marque ZipBait. Donc, je répète, il fait 4,6 cm, il pèse 3 grammes, c'est un leurre de type coulant et il s'adresse principalement à la truite et à la perche. Sur ce, je vous dis à bientôt et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!